Et salut à toutes et à tous, on vient de quitter les box pour découvrir ensemble une nouvelle piste qui vient s'ajouter à Assetto Corsa. Nous sommes avec la Porsche 911 GT3 RS, vous le voyez, on est en caméra embarquée, on va découvrir aujourd'hui le nouveau tracé baptisé The Islands, les pays hauts, hein, les terres hautes, qui est un circuit situé en Écosse. Vous allez avoir plusieurs configurations gratuitement dans le jeu avec la version 1.12, pour l'instant disponible sur PC, avant que ça vienne un peu plus tard sur console avec la version 1.13. On se fait un petit chemin ici entre les différentes voitures qui jonchent cette piste. Et c'est assez chaud. Alors on va vivre ensemble deux circuits. Le premier, c'est le plus long que vous avez actuellement en train de défiler sous vos yeux, un circuit de 12 km qui compte 24 box, hein, comme toujours dans Assetto Corsa. Donc c'est la partie longue des Highlands, c'est situé en Écosse évidemment. On l'aurait un peu deviné au paysage qui personnellement me rappelle un petit peu les paysages de l'île de Man dans les terres anglaises. Et on a une piste qui s'annonce assez intéressante après la déception qu'était... Oh, attention, j'ai été mettre quelques roues dans le bord de piste. La déception qui était le tracé désertique que l'on avait reçu à l'époque également gratuitement. J'avais pas beaucoup aimé ce circuit qui était assez banal hormis quelques moments techniques. Ici on a quelque chose de beaucoup plus sympa avec des courbes mi-vitesse qui se passent soit en 3 soit en 4, ça dépend des voitures. Et sur cette longue piste on va avoir surtout une partie intéressante. Voilà, la voici, la grande ligne droite, on va pouvoir lâcher les chevaux de cette Porsche où on va atteindre plus de 300 km/h. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais regardez bien le volant, ça bouge et j'ai exactement les mêmes sensations dans le volant au moment où je pilote, c'est-à-dire que la voiture est très très instable et on sent vraiment une sensation de vitesse incroyable ici. C'est vraiment quelque chose de très très bien fait dans ce circuit des Highlands. Allez, on est à fond, on va essayer de voir si on reste en fond de 6, on va pas passer la 7, on va taper un petit peu au rupteur, on va soulager un petit peu, on met la 7 finalement. Et regardez, ça passe très très fort. Au montage, je vous mettrai un plan global. Allez, on freine. Et ici, attention, parce que c'est souvent un virage où j'oublie de toucher les freins. Parce que les virages sont assez en aveugle. Donc on vient de compléter une grande partie du circuit. Hein, 12 km avec cette immensissime ligne droite bosselée. Ici, ça jump. Et également, c'est assez compliqué à tenir dans les enchaînements rapides. On est proche des rails, en tout cas c'est vraiment... Oups, ça bouge beaucoup. C'est vraiment un circuit extrêmement plaisant à piloter avec des voitures routières. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui manquait dans Assetto Corsa. On n'avait pas toujours la possibilité de s'éclater avec les voitures de route qui étaient souvent coltinées sur des circuits. Ça tasse pas mal ici. On va bien ralentir, on va essayer de la faire un peu partir. Au niveau des aides, je n'ai rien. Je crois que j'ai 10% de stabilité ou 15% histoire de tenir un peu la voiture en cas de dérobade. Sinon... on est sans ABS et sans traction control. Et c'est très plaisant avec ce genre de voiture. C'est pour cela, je pense, que les Porsche ont été aussi faites dans Assetto. C'est qu'il y a pas mal de voitures routières que vous pouvez désormais utiliser pour attaquer cette piste baptisée Highlands. Alors on va tout de suite évoquer un problème que j'ai avec ce tracé, mais qui est évident puisqu'on est dans un jeu vidéo. Comment peut-on avoir un si joli paysage, un si joli tracé, vallonné, etc. et le gâcher, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec la publicité en bord de piste. On a vraiment droit à un circuit atypique, alors qu'on en arrive à la fin de ce circuit. On revient dans le village écossais, alors que dans les rétroviseurs, on voit arriver une McLaren. On va essayer de se battre un petit peu avec cette voiture. Les pavés glissent énormément, ça c'est très très fun avec ce genre de voiture, de rouler sur les pavés avec la puissance en propulsion. Ça glisse énormément, c'est très très fun. On va freiner en deuxième. Et on a vraiment une sensation très très gênante avec, avec ces publicités d'être dans un jeu vidéo. Et c'est vraiment dommage parce que regardez ça, on a une belle vue sur la mer, sur les montagnes. Et on nous met des immenses panneaux avec rien contre ni Sparco ni Nvidia, hein, loin de là. Mais vraiment, c'est vraiment dommage, ça nous enlève ce côté immersif. Et j'espère sincèrement que quelqu'un pourrait nous modder une piste sans publicité parce qu'elle est vraiment très très agréable. Allez, la Porsche qui tient toujours le grip. On va essayer de faire un deuxième tour avant de se laisser. Mais on va d'abord vous dire qu'on va faire aussi un autre circuit dans cette vidéo. On va découvrir deux tracés, le tracé Drift un petit peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment plaisant de voir comment cette Porsche tient sur ce circuit. Et on va pouvoir lâcher les chevaux. Et la McLaren qui revient en virage, elle est mieux que nous.
sur certaines parties de ce circuit. En tout cas, un circuit qui allie vitesse, courbe rapide et courbe lente très technique. On regrette l'absence de chicanes très serrées qui auraient à ce moment-là complété le tracé. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des buts, il y a des dérobades à gérer. C'est vraiment, avec une voiture de route aussi fun, voire plus fun, j'ai envie de m'avancer, qu'un tour sur la Nordschleife, même si rien ne pourra battre un tour sur la boucle Nord à mes yeux. Deux tours que je me fais avoir ici, mais c'est pas grave, on continue d'attaquer. On voit la McLaren qui revient dans notre rétroviseur. Ça risque de nous montrer une petite bagarre assez sympa. Allez, ça glisse sur l'extérieur, mais vraiment une piste très agréable. Et je vais en fait désormais vous laisser quelques instants pour profiter du son de la Porsche. Parce que bon, vous la connaissez bien, on a découvert ensemble ce pack. Mais quand même, dans la grande ligne droite, c'est très très impressionnant ici dans les Highlands. Voilà donc pour cette bagarre, assez sympa et inattendue, je dois vous l'avouer. Bon, on a pu récupérer l'avantage parce qu'on était équipé d'une meilleure vitesse de pointe sur la Porsche que la McLaren, mais bon, ça s'est fini dans le rail. Heureusement, ça coûte moins cher qu'en vrai, parce que sinon j'en aurais eu pour 200 000 balles de crédit. Mais bon, c'est pas grave. Oh, on est encore proche du rail, on l'a pas touché dans ce deuxième tour. Bon, écoute, on va rentrer au box, je vais expliquer qu'on s'excuse, et que c'est aussi un peu de sa faute, et on va se retrouver tout de suite avec une deuxième voiture et une deuxième version de ce circuit des Highlands. Pas sûr que j'ai touché là, pour tout vous dire. Allez, on rentre au box. On va expliquer au gaillard devant que c'est pas comme ça que ça va se passer, qu'on est le plus rapide. Hein. Nom de Jones, va. Allez. Hop, changement de décor pour cette deuxième partie de vidéo. Avec une petite bombe française qui est modée dans assez tôt. Comme ça, on va laisser passer la Lotus sur notre côté droit. Voilà, on repart du côté droit cette fois-ci également de la piste avec la partie drift de ce circuit des Highlands. Alors, la partie drift pour moi est un petit peu inintéressante pour le drift, mais bien sympa pour tester des plus petites voitures. On avait l'habitude de se retrouver du côté de Zandvoort quand on voulait tester une voiture un peu moins puissante, un peu moins détonnante. Et bien ici, on a une petite bombe, la Renault Clio 3 phase 2, la version RS, que l'on peut retrouver en mode dans la description, hein, je voulais laisser le lien. Et cette voiture est assez intéressante pour une seule chose, c'est que sur ce circuit on voit la différence d'une traction et que c'est pas toujours simple de s'en sortir. Alors l'IA que vous voyez graviter autour de moi est à 100%, et voilà, on arrive sur des phases de circuit comme celle-ci avec les vestiges médiévales qui sont assez sympas. Ça rappelle un petit peu le château de l'Eiffel, hein, de la Nordschleife, mais on n'est pas du tout sur le bon pays là. On est en Écosse, et une piste qui ici souffre un peu moins des panneaux publicitaires, hein, dans son décor, mais c'est assez sympa. Alors on va vous parler un petit peu de la voiture, qui est à mode gratuit et qui est disponible avec 3 kits de jantes différents, hein, pour ceux qui sont vraiment passionnés de la marque aux losanges. Et c'est une voiture qui, sur la traction avant, donne une sensation assez sympa sur une piste comme le circuit drift des Highlands, une piste de 5 km et 167 mètres.
également, disposant également de 24 box. On va y arriver. Alors c'est une piste un peu plus technique, un peu plus serrée, plus d'enchaînement ici. Ça va être un peu plus sympa si vous faites des courses entre potes en multijoueur sur cette piste que sur l'autre, qui est vraiment dédiée, je pense, au test des supercars. Vraiment, il y a deux physionomies complètement différentes. Il y a un tout petit circuit, le Highlands Short, qu'on ne va pas tester ici ensemble aujourd'hui, qui n'est pas forcément super intéressant. C'est un genre de mini Brands Hatch dans son dessin, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard pour le moment. On a une voiture qui est ici parfaitement adaptée au gabarit de la piste, et on va faire ensemble déjà un deuxième tour avant de se laisser. L'entrée dans le village est assez technique, surtout avec la traction. Très sympa aussi au niveau du mode, hein. Le son, je ne l'ai pas mentionné, mais le son est vraiment, vraiment réussi pour en avoir conduit il n'y a pas longtemps. Le moteur est bien retranscrit, notamment le bruit du pot, dont je vais vous laisser profiter d'ailleurs dans quelques instants. Mais voilà, donc un circuit gratuit pour la version 1.12 d'Assetto Corsa, qui est vraiment sympa. Bravo à nos amis de Kounos. Une piste pour les supercars, une piste pour les plus petits bolides routiers et une piste pour le drift pour les fans. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont s'amuser sur YouTube à vous faire des vidéos drift sur cette piste avec les japonaises les plus excentriques possibles disponibles en mode. Pour ma part, je vais passer mon tour et je vais vous laisser profiter de la fin de ce deuxième tour ici sur la piste drift donc de ce circuit des Highlands. Thank you.
Allez, on est désormais en train de conclure cette vidéo à petit quart d'heure passé ensemble pour découvrir les deux tracés les plus intéressants de cette nouvelle extension disponible donc avec la version 1.12 d'Assetto Corsa sur PC. Elle arrivera avec la version 1.13 sur console d'ici quelques jours en attendant. Eh bien, je vous invite à vous emparer de votre routière favorite, que ce soit une vieille allemande ou une nouvelle française, peu importe, ou une belle italienne, et de vous en donner à cœur joie sur ces tracés vraiment, vraiment bien taillés pour les routières qui veulent avaler du bitume et se faire plaisir, comme on est en train de le faire maintenant. En tout cas, voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Si vous aussi, vous avez téléchargé cette piste dans la version d'Assetto Corsa, eh bien, après l'avoir testé, venez en commentaire me dire ce que vous en pensez et si vous l'avez testé avec quelle voiture pour voir un petit peu ce qu'il y a comme combo sympathique sur cette piste. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine les amis. Salut !